Et re à tous, on se retrouve donc toujours dans ce lieu un peu prisé par la Jet Set, si je puis dire. Et donc on va faire vite fait la quête de coursier princier et la quête de notre chère Cindy pour repartir ensuite, vous le savez très bien, sur le story mode, je vous l'ai promis. Je vous ai dit que je faisais quelques épisodes, donc le dernier épisode c'était un peu plus... Comment je peux dire ça? Un peu farming, un peu quête annexe. Donc comme vous voyez, il y a moins le bug, mais il y a quand même ce bug ce bug d'ombre. Bon, ça c'est pas méchant, c'est lié était déjà au début, mais tout à l'heure c'était vraiment un gros bug qui a été réglé. Donc là aussi j'ai changé la tenue pour ceux qui ne le savent pas, pour changer un peu la dynamique et ressembler moins à des gothiques. Tac, qu'est-ce que tu as pour nous en fait au niveau d'ici? Bande de course, bête sauvage. Oh. Celui-là, je le prends direct, mec. Alors, on m'a dit que tu avais quelque chose à moi. Donc ça, ça va être en les achats. Alors, dis-moi. Il me semble que c'est d'une tomate lusienne que j'ai besoin, ok. Lait de brebis. D'accord, en fait c'est... T'achètes ici les trucs pour préparer les plats, ok. Bon, ça m'intéresse pas. Si je veux vraiment des puffs, j'irai au restaurant. Ça m'évitera de prendre de ça. Donc, on a la tomate. Ok, conduite automatique. Quête. On va se téléporter un éclat de reine. Voilà, directement là-bas. Comme ça, on fait la quête de Cindy. On retourne à Emerald, toujours en téléportation directe. Et après on part enfin dans cette nouvelle ville qui nous attend, qui nous ouvre ses bras. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui auraient voulu que je fonce directement dessus. Mais je voulais faire un peu les quêtes annexes autour pour éviter d'après se retrouver comme dans un MMORPG. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais d'avoir 20 quêtes et ne pas savoir où aller, ne pas savoir quoi faire. Ça m'arrive tellement de fois et après de faire des quêtes qui, bon, c'est plus du tout de mon level. Et ça je déteste faire ça, je vous promets, c'est vraiment chiant. Donc là ce que je vous promets c'est qu'on fait déjà un début de quête annexe. Après on part sur de la story mode. Et on va faire de la story mode au moins sur 2 épisodes, ça je vous promets, pour éviter de faire trop de quêtes annexes. Et après on repartira un peu sur les quêtes annexes pour respirer un petit peu et essayer de trouver des stuff ici et là. Mais on a vu qu'en fait les stuff c'était des vieux trucs qu'on avait déjà loot. Donc je me dis en fait la story mode est bien plus importante. Donc je préfère faire quelques épisodes aussi sur la story mode en entier et éviter de faire ces courtes pauses. Mais bon, ça, j'essaierai de le faire mieux à l'avenir, sachant que je vais vous faire profiter de mon expérience de A à Z et pas vous dire, bah écoutez, moi je vais up là, et imagine, il arrive, je sais pas, une séquence, un truc, j'ai pas le temps d'enregistrer, et bah vous perdez pas mal d'images en cours, comme c'était passé sur Metal Gear Solid 5, je l'avais commencé et j'ai dû l'arrêter à cause de ça, en fait, sans faire exprès, bah ça m'a fait sauter au moins 4 heures de jeu. Et je vous promets, pour certains, c'est... Pour moi même, ça me fait chier de vous faire perdre ça, quoi. Enfin bref, du coup Metal Gear Solid 5, je le ferai, vous inquiétez pas, je referai le let's play de A à Z sans cette faute-là cette fois. Maintenant avec le Elgato, c'est encore plus simple d'enregistrer, c'est moins chiant, c'est moins pénible à enregistrer. Du coup Metal Gear 4, on va pas tarder aussi, vu que maintenant avec le Elgato, c'est encore plus simple. Plus problème avec mon Avermedia, donc voilà. Petite courte pause pour parler de ma chaîne avant d'arriver à notre objectif. Hop. Donc là, on cherche donc un éclat de reine. Ou je pense pas que c'est ça qu'on cherche, mais... Trouver le revêtement de verre, ok. Ok, je l'ai trouvé. Est-ce qu'on peut retourner à Emerald? Non. Non, on peut pas, vu que je pense qu'il doit avoir Magitek qui nous pourchasse. Allez, on s'échappe un peu avant que Magitek nous attaque. Ouh,
me disais bien un petit truc qui m'a... qui a décidé de... Ok. Alors, on va l'analyser cette petite bébête ou pas? Ok, alors, à quoi elle est... Ouais, encore. Ok, hop. On va se les faire, voilà. Allez, prompto, une petite pâle perçante ou pas? Allez, tout content d'avoir tué. Ok, hop, nickel. Ok, et là, est-ce que je peux me téléporter à Hammerhead directement ou pas? Yep, on va aller directement à Hammerhead. Comme ça, au moins, on perd pas trop de temps, on finit vite fait cette quête qui est franchement assez rapide, faut pas se le nier. On va rendre la quête au cuisinier et après, on partira voir notre petit seigneur en espérant qu'elle nous donne pas une nouvelle quête. Parce que je serais tenté de la faire, je vous mens pas, non, sinon je la prendrai et on partira faire de la story mode, je vous promets. J'arrête d'être tenté par cette Cindy, qui a quand même de beaux arguments, on va pas se nier, hein, bien sûr. En tout cas, voilà. Là j'ai un changement, je sais pas pourquoi, sachant qu'on a chargé le jeu entièrement tout à l'heure. Bon, ouais, ok. Bon, il a l'air plus rapide que d'habitude, donc on va pas se plaindre. Ouais, alors, ça aussi c'est un point négatif, les chargements. On en avait déjà parlé. Sauf que là, comme j'ai commencé à parler, bah, je vais pas me dire, bah, je vais pas vous couper. Vu que j'ai peut-être dit des choses intéressantes, peut-être pour certains. Voilà. En tout cas, allons voir cette Cindy, donner le revêtement à Cindy, qui n'est pas là du coup. Ah si, elle est là. Elle a pas eu le temps de pop, j'ai rien dit. Okaeri. Basho wa kata? Oui, voilà. Mitsuketa. Sasuga da ne. Ja, sore ga koushu. Fukitsukete oku to kuruma ga yogore nikuku naru kara. Kuruma wo aishiteru hito ni wa zetta. Ah la blague. Ah ouais, c'est juste pour améliorer l'esthétique de la voiture, quoi. Moi, je veux que la voiture, elle ait des canons qui tirent de partout, un truc de ouf. Bon, il y a une autre quête, on va la prendre juste pour la prendre. Et après, on arrête. Ok, un compresseur. Ok. C'est sympa. C'est bien. Donc du coup, on va équiper... Non, la régalée, elle a pas besoin de ça. On va installer une amélioration qui s'appelle le revêtement de verre. Voilà. Tout le coroserie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Elle rend un peu mieux. Hein. Franchement, faites une bête de la régalia. Faites-en une bête de la régalia. Bah écoutez, on va la mettre. Ça c'est clair. Les roues. Non. Revolver, ça le fait pas trop. Bronze, étoile blanche, étoile violette, étoile noire, bleu clair, comme ça, ça passe. Euh...
Chocolat menthe. Ah, comme ça, ça passe. Noir bordeaux, noir émeraude, noir intense, noir et blanc, noir et beige, caramel, bordeaux. Allez. Moi, je vais passer sur du bleu marine, c'est pas mal aussi, mais ça irait pas trop avec la voiture. Lila doré, ça va, nickel. On va partir sur du lila doré. Ouais, ça passe. Alors, on peut pas du coup changer trop aussi. Non, ça se voit pas. Bon, on va laisser l'autocollant. Hop, on installe tout ça. Ok. Ah, nickel la voiture comme ça. Nickel. On a un petit peu customisé pour changer un peu la voiture. Bon, rien de méchant. Ah ouais, putain, dans ce jeu, si t'active pas les quêtes. Voilà, si t'active pas la quête, voilà. Non! Faut qu'on se mette vraiment. Voilà, ici. Donner du mat, voilà. Ok, il nous a donné quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a donné, je sais pas. En tout cas, on va se reposer, accumuler l'XP et partir en story mode. C'est parti. Jambon de JG, ça c'est cool. Lait de brebis. Fungus, ok, nickel. Allez, un petit repos. Ok, hop, un petit peu de repos. On va voir ce que ça va nous donner. Ouais, ça va pas nous faire up. Ah si, ça nous fait up level 19, c'est nickel. Oh, y a pas de grande photo très très belle. Non, malheureusement. Ok. Bon alors, reprenons notre voiture et on se casse. Ah non, vous voulez pas me dire qu'il va me donner encore une quête lui. Qu'est-ce qu'il va me donner encore? Ouais, super. Sauf que je vais pas de la faire. Nous, on va rejoindre Iris à l'Estalum. J'ai juste pris la quête comme ça, moi, elle est prise. Ok, donc moi, pour l'instant, je vais pas me préoccuper de ça. Le poids du destin, donc du coup, je vais peut-être pas me... peut-être plus me téléporter. Voilà, ok. Ouais, comme ça, on sera déjà sur le chemin. Allez, c'est parti. Au moins, on sera déjà sur le chemin. C'est déjà pas mal. Bon, après ce long chargement, on est enfin là. On y est enfin, sous une pluie super. On va même pas profiter de la voiture en décapotable. On va devoir presser la voiture entièrement fermée. Fort dommage. Allez, c'est parti. On part donc chez... Allez, c'est parti. J'espère que cette nouvelle vie, elle est pas mal. Ce serait sympa d'avoir un peu de nouveauté.
C'est un peu con qu'il pleuve, hein. Pas vous? Je trouvais pas ça un peu bête. Mais bon, j'ai l'impression que la piste s'atténue un petit peu ou à s'amplifier, je sais pas. L'effet de pluie est un petit peu mitigé là. On voit plus de soleil qu'autre chose. Plus très loin, ça va, ça paraît une éternité franchement, mais en fait la voiture c'est bien, mais à force ça commence à être un peu ennuyant. C'est vrai que c'est open world hein, mais pas entièrement quoi. Peut-être avec le chocobo on peut se promener partout, mais que la voiture en fait tu suis une ligne, donc ça te donne un effet d'open world, mais c'est un peu gavant cet effet d'open world, c'est à dire que ça prend du temps quand même à aller de destination à destination. Après je vais pas vous mentir, je vais pas me plaindre, moi qui a fait pas mal de Final Fantasy, c'est un Final Fantasy que j'ai apprécié rouler en fait. Il y en avait d'autres, c'était chiant de marcher sur la map, tu savais même pas où aller. Et fallait vraiment écouter ce que te disaient les gens pour savoir où aller. Par exemple, ils te disaient d'aller à l'ouest, fallait que t'ailles à l'ouest. Et si tu ratais ton chemin, bah tu devais... À l'époque, il n'y avait pas internet, donc je sais pas comment ils faisaient. Du coup, t'avais des petits bouquins, trucs et astuces, tu vois, t'allais à ton libraire et t'en achetais un, je pense, mais... Franchement, t'étais pas aidé, quoi, on va dire. Moi, je me rappelle, j'avais acheté un gros bouquin à l'époque, il y avait des cheat codes. J'ai acheté un gros bouquin avec plein de cheat codes à l'intérieur, et il y avait aussi les astuces les plus importantes dans le jeu. Par exemple, à Final Fantasy, t'avais l'astuce comment tuer tel boss, ou quelque chose comme ça, quelles étaient ses mauvaises résistances. Je me rappelle de cette époque, c'était. Ça revenait cher en final avec des bouquins, et j'avais pas internet. Je me rappelle, je m'achetais au moins tous les 6 mois, mes parents m'achetaient le gros bouquin qui s'appelait Trucs et Astuces, ou quand j'étais au Portugal qui s'appelait Dick et Dickash, ça veut dire la même chose en français. Et je trouvais, j'arrivais à lire ce que disaient ces bouquins dans tous les cas, mais je trouvais ces bouquins vraiment formidables. Et après, quand j'ai trouvé la magie d'internet, je me suis dit que ça peut-être réunir un petit peu cette industrie en fait. Putain, là, j'essaie de faire. De doubler le mec et j'ai pas réussi en fait. J'avoue que le tunnel il est pas mal. Ok, le chocobo on l'a plus. C'est pas un problème, il s'est enfui donc. On arrive dans la nouvelle ville les gars, on arrive. Là on active la décapotable. Et on y est les gars, on y est arrivé. On va aller stationner là-bas je pense. Avec notre voiture un peu customisée. Bon, ils veulent prendre un hôtel, c'est bien. Si on les écoute, ils nous donnent des bons. Enfin, des bons. Des petits trucs. Souvenirs de Final Fantasy XIV. Ça, par contre, je peux pas le rater. J'étais fan de les MMO. Je suis obligé de prendre les musiques, elles étaient juste magnifiques. Loisirs, l'heure. Bon, rien de particulier. Kit de réparation. Bon, ça, on en a pas gagné maintenant. Allez, directement à la quête. On va continuer quand même notre petite story mode, hein, c'est le but. Putain, et comme les trucs de course, vous savez, pour des bidons d'eau pour éviter les accidents trop graves. On va dire pour atténuer les dégâts. Donc on va aller par là. On va aller rejoindre la sœur de Gladios, si je me trompe pas.
Quand même, je vais m'arrêter un petit peu à chaque marchand pour voir ce qu'il propose. Ça peut être intéressant de voir flacon de sel par exemple, pendentif en arc-en-ciel, sablier d'or. Qui nous donne quoi? Oh, ok, c'est pour les altérations, ok. Sympa, sympa. Ouais, je crois que j'ai trouvé l'hôtel, les gars. どうした?なんか頭痛いと思ったけど大丈夫?平気。治った? Un peu bizarre cette vision quand même. Un peu trop bizarre. おかげさまで。ね、泊まるならここでしょ?ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。 申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええや。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス。 王都どんな感じだった?お城とその近くがすごくやられちゃって大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。 なんだよ。あのね、 ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。分かった。ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。 みんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。あ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。では、お気をつけて。Tu vas suivre cette jolie fille. 一番最初は市場かな。ついてきて。 Allez, on va au marché, on va un peu se promener. Wow, j'ai cru qu'elle voulait se taper une course, là. Bon, on va avancer un peu. Bon.
楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。Je voulais l'intéresser quand même. お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。J'ai touché quelque chose. わあ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。Je sens qu'elle va me faire tourner en brique pendant des jours et des jours. Attends, je vais voir ce qu'il vend lui. Il a l'air de vendre des trucs intéressants lui. Des chaussures d'une blancheur éclatante mais très satisfaisante. Ok, d'accord. Un fixateur qui maintient les chaussures même sous la pluie. What? What? C'est quoi ce truc? Un gel pour les jeux? Les cheveux, mec. Un maillot qui isole du froid, de l'électricité. Une combinaison par balle, carrément. Ouais, d'accord. Intéressant. Intéressant, je repasserai peut-être un autre jour quand j'aurai de l'argent. C'est vrai que je suis un peu en dash de thunes là. Attends, essaie de la rattraper, elle est... Ah non, elle est derrière nous, j'ai rien dit. Ah, c'est pas mal ça, je sais pas après si ça change vraiment le... Ah, petit truc là, par sous-ancien, on va ramasser. On va passer à droite, hop. À la centrale, on est à la centrale. Franchement, c'est une belle ville. Hein. C'est une très belle ville. C'est belle comme ville, l'Estalum. C'est bien. Ah bah moi je veux bien voir. Ah non, on peut pas sauter, dommage. Je serais bien allé faire un petit plongeon, tiens. Je sais pas si on doit passer par là ou par là, ma petite. Mais on va passer par là. Bon, on est pas très loin. Moi j'avoue, je serais bien des boissons. Tiens, on a une ici. Ah, il est pas là. Il est pas là le vendeur. Dommage. J'aurais bien mangé des noodles. J'avoue que Noctis commence à me saouler de ces questions. Oh, j'aimerais bien un tour de faire un tour de voiture. Ouais. J'étais bien. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de nous. Bon, on va retourner à l'hôtel. Hein. Putain, le pauvre Noctis, quand même, il doit se faire bien, bien chier. Enfin, elle est gentille. Elle est mignonne aussi. C'est vrai que s'il serait célibataire, je pense qu'il pourrait sortir avec elle, même si elle fait un peu nunuche, quoi. On est bientôt à l'hôtel.
時以来だね。ありがとう、楽しかった。Allez, on reste. Non, je suis vraiment gentil avec elle. Oh, vraiment. Allez, Atona. Ça marche pas. Yorokonde kurete ureshi. Anone, Ichiba de katte da no. Nocto no dakara. Demo, mada naisho. Tanoshimi ni shitete. Comme c'est une surprise, tu vas devoir attendre. Alors, on dirait moi avec ma copine. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Ah, c'est quoi? Bah, tu dois attendre. Ah, ok, merde. タルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫。俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコと。Bon, on va se diriger vers la grotte. Pas mal cette petite.Cette petite info. Alors, on va continuer. Du coup, on va voir un petit peu où c'est cette quête. Oula, le menu principal qui bug. Je sais pas s'il lui arrive. Par contre, il y a pas mal de trucs par terre. Hein. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est comment on va partir chercher une nouvelle arme. Là-bas, on avait vu un truc de noodle. Vous savez, c'est des nouilles avec lesquelles on rajoute de l'eau chaude. Et ça te fait un repas, en fait. Un repas assez. Rempli de glucides, si je peux me permettre. Bon, savoir que c'est différent d'un pays à l'autre, quand même. Après, une nouvelle recette, ok, c'est parfait. On va prendre des noodles, s'il te plaît. Ingrédients, ok. On peut pas te l'acheter, quoi. Ok, bah non, je vais en prendre deux, comme ça, moi. J'en aurai en stock. Comme ça, j'en aurai en stock. Bon, retourne à la voiture. Il est co presto. Allez, c'est parti. Conduite petite manuelle. Ok. Carte. Moi, c'est plus la quête que je veux voir en elle-même. 19. C'est l'autre nouvelle, ça va. Où est-ce qu'elle est, par contre? Ok, elle est un peu loin. On va y aller. De toute façon, après, on reviendra pour le prochain épisode. On fera les quêtes. Les quêtes qu'on a en suspens. J'aime pas trop cette musique. Elle est un peu stressante. Allez, c'est parti. Voilà, 3 km, c'est pas très loin. Comme ça, on va profiter un peu du soleil et de la vue. C'est vrai que la vue est belle, mais là, on va me traiter de pro PCiste. Mais c'est vrai qu'avec un PC avec une vue un peu plus allongée, un meilleur brouillard, un meilleur effet, ça rendra encore plus. Parce que là, j'ai l'impression qu'un peu plus loin, c'est un peu dénaturé. Les graphismes sont un peu plus simples, en fait. Mais bon, ça reste beau. Hein. Ça reste assez beau. Donc derrière la cascade, il y aurait donc une arme de roi ancien. Intéressant. Ce serait intéressant si c'est vrai. En tout cas, le Talgot avait peut-être sûrement raison, donc on va aller voir ça. J'espère avoir assez d'essence, sinon je dois me téléporter directement. Ça me fait chier, mais bon. Ouais, et après j'ai dit je ferai les quêtes parce que là il manque vraiment beaucoup de sous. Donc ce serait pas mal qu'on fasse quand même quelques quêtes. Que ce soit des quêtes normales, que ce soit des quêtes de chasse. Mais on en fera quand même, je pense, au prochain épisode. Et après on repartira sur la story mode ou j'enchaînerai directement sur la story mode et j'irai par la suite, je sais pas encore. Oula. Faut que je rate le. C'est là qu'on doit tourner. Ok, je me disais bien, c'est pas possible qu'il nous laisse à 1 km quand même. En tout cas, la voiture elle a quand même du mal en pente. Tout à l'heure, on était vraiment derrière un vieux taco si on n'arrivait pas à avancer.
On va repasser dans un tunnel. Ok, on est plus très loin. Je me demande si le tombeau ça va être un donjon du coup. Ce serait fort sympa à savoir. Est-ce qu'ils vont nous relancer directement dans un donjon ou ils vont attendre un peu. La question peut se poser, c'est vrai. Mais bon. Ok. Alors après on va où là? Ouais, je peux bien tourner à gauche, non? Ouais. On est plus très loin. Et là on peut voir une sorte de météore qui s'est crashé, qui fume. Fort intéressant quand même. C'est pas mal dessiné, ouais. De toute façon, c'est ici. Là, il y a une boutique. On va aller voir quand même ce qu'il y a là. Je suppose que je peux pas faire de cuisine ici. Non. Non, non, je peux pas faire de cuisine ici. Ok. C'était un petit bouquin de pêche. Rien de méchant. Bon, ok, là j'ai des bandes royales, des trucs comme ça. Ok, c'est pas très intéressant. Loisirs. L'art de la bonne chair. Un livre de cuisine, c'est la proportion de gâteau. Bon, ça m'intéresse pas. Bon, pas grand chose du coup. Du coup, ok, on va devoir sauter du pont, je suppose. En tout cas, une bombe d'essence déjà au niveau de l'essence, on va pas, je pense pas, on va pas en manquer du coup. Ok. Ouais, je me disais bien, fallait peut-être que je sorte là-bas du coup. Bah, je peux pas sauter. Du coup, faut que je descende plutôt. Par là. Ça, je consomme pas trop en PM quand même. Ok, bon, j'ai perdu un peu de vie, mais rien de méchant. Ok. Nickel. On va essayer de récupérer nos PM. Voilà. Allez, petit truc quand même par terre. Super potion. Super. Super, super. Franchement, un jeu comme ça avec de l'exploration, ça me manquait vraiment. Le dernier jeu que j'ai fait ça, c'était The Witcher, et franchement, il m'a vraiment vachement plu. Et là, Final Fantasy, il me plaît encore plus, quoi. C'est... Oh putain, sa mère, c'est quoi ce truc? Ah, c'est pas donné, ça. Ah bah ça, je le ferai pas. Hein. Je me le ferai pas, moi, je vous le dis. C'est vraiment des mastodontes, là. Ouais, c'est des pinces boucliers, donc on va éviter de se les faire. Ouais, d'accord, je peux pas traverser. Ça va être chaud, là. Alors, on va analyser un peu tout ça. Ouf, ok. Ok, hop.
Allez, prompto. On va se faire une petite attaque. C'est sûr que c'est... sûr que c'est pas le genre de mob que je à qui je m'attaquerai, quoi. Mais non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas me one shot comme ça quand même. Allez, Nock, reprendre la vie. Ok. Il résiste pas au froid, donc du coup, on va se faire un petit froid, les gars. Mais non, mais non, mais non. C'est pas possible. Un petit marquage, allez. Bon, vraiment que je... moi j'ai plus batterie sur ma DualShock, mais bon, un méchant. Bon allez, c'est pas possible, vous pouvez pas me faire ça à chaque fois, les gars. Ouais, là par contre faut que tu me fasses un petit tourbillon. Non mais là, c'est franchement abusé. Allez, reste-moi, putain. Putain, il a tué prompto, merde. Allez, non, ça c'est abusé. Franchement, c'est comment je peux être à leur level et être une grosse merde? Ok, on va faire petit tourbillon là. Allez, un petit marquage aussi. On va enchaîner comme ça, on va jouer à la tactique. Que je trouve un lieu, mais j'ai pas du tout de lieu de stratégie, comme disait mon bon ami qui me dit. Mais là, il n'y a pas du tout de lieu de stratégie où je pourrais me poser. Donc je suis vraiment obligé de faire un combat. Oh là là, c'est chaud là. Par contre, s'il me saute dessus, je suis dans la merde. Bon, il va me poursuivre, donc allez, un petit marquage, ça va m'aider là, les gars. Un petit tourbillon, Gladio. Allez, c'est parti. Ok. Eh
Eh, franchement, je vous promets, je le fais pas exprès de mourir. Hein. Mais en toute... En toute sincérité, quand je fais carré pour esquiver, ça marche pas. Bon, enchaîne-moi avec un marquage là. Un combat d'attaque de dos, nickel. Ok, hop. Je peux rien faire, franchement, carré, ça marche pas. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. On s'occupera des nids juste après, mec. Vas-y. Bon, ok. Là, ça va être chaud. Là, c'est la fin pour lui, allez. Hop. Purée, les gars. C'était vraiment chaud. Lui trouver une recette quand l'autre est mort, quoi. Ah ouais, par contre, là, les monstres vont devenir vachement plus difficiles. Enfin, je pense. Waouh, comment on a galéré contre des crabes. Ok, on va passer par là, je pense. Et par ici, ok, nickel. Là, on a un petit passage. Bon, j'espère qu'on va pas rencontrer d'autres trucs aussi terrifiants que là. Ouh, ça a l'air d'être un bon donjon. Ok, alors là par contre je vais franchement bien m'équiper. On va se mettre la glaive du sage. Ok, alors déjà j'entends glace, moi j'entends ça, mec. Hop, on va mettre à fond. Avec quoi on pourrait faire? On pourrait faire quoi comme catalyseur qui pourrait bien up tout ça? Feu hasardeux. Immobilisant, j'ai vu un truc. Feu immobilisant, c'est pas mal. Extra feu, lance un élément de feu supérieur. Double. Quadruple, ça c'est pas mal. Allez hop, on synthétise tout ça. On aura notre sort. On va le conserver pour l'instant. On l'équipera. Alors, analysons ça. Donc c'est parti pour un donjon, j'ai oublié de le dire. J'ai même oublié de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire dessus? Ok, donc que aux éclipses comme ça, ok. Alors, ok. Je vois le genre d'ennemi. Allez, un petit marquage, ça va leur faire pas mal de dégâts. Ouf. Ok. Ok. Ok.
J'ai l'impression que ça va être un donjon en fantôme ici. Ok. Est-ce que je peux me poser derrière un mur, un truc comme ça ou pas là? Ou je suis c'est mort. Ouais, ça a l'air d'être mort. Ok. En tout cas, moi ce que je vous propose c'est que là on commence à dépasser un petit peu sur l'épisode. Ce que je vous propose c'est qu'on fera ce donjon juste après, au prochain épisode. On va juste du coup faire une petite sauvegarde. Et on se retrouve au prochain épisode pour attaquer donc ce donjon pour avoir une nouvelle arme légendaire. Enfin une arme fantôme si vous préférez. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'épisode suivant.